Salut Damien. Salut Olivier. Tu vas bien? Bien et toi? Ça va, mais plein d'émotions parce que tu es celui qui a beaucoup inspiré ma vie quoi, ces dernières années. Ça me fait vraiment bizarre de te rencontrer et j'ai qu'une envie presque, c'est de te dire déjà merci. Merci, c'est gentil. Merci à toi d'être venu aussi. J'ai une quête perpétuelle par rapport à la façon de mieux faire. J'ai envie de prendre soin de mon sol, de prendre soin de ma terre, de prendre soin de la terre en général. Et j'ai envie aussi en même temps de nourrir ma famille. Concrètement, j'ai envie d'exister, d'être utile, de ramener le maximum de paniers de légumes. J'ai 150 mètres carrés à cultiver sur 300 mètres carrés. Est-ce qu'on peut parler de permaculture quand on a une si petite surface, quand on n'a pas des hectares? Écoute, moi je pense que oui, on peut le faire, parler de permaculture sur des petits espaces. Déjà, moi mon potager, il fait pas 4 hectares, j'avais mesuré 350 mètres carrés approximativement. Hein. Il y a des grandes allées, parce que comme des fois je reçois du monde, j'ai fait des belles allées. Donc mon potager en lui-même, il fait 350 mètres carrés, disons. Et je pense qu'on peut tout à fait le concevoir, quelle que soit sa taille, en ayant une réflexion permacole. Moi, je connais des amis à moi qui ont des balcons et qui essayent d'apporter une vision permacole sur ce balcon. Comment économiser l'eau, comment mieux placer ses éléments, comment favoriser les mycorhizes sur une terrasse. Donc toi, toute la vision globale que moi j'essaye d'avoir autant que je peux sur mes 4 hectares, ben, tu peux avoir la même réflexion sur des petits espaces. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'avoir une vision permacole quand on a simplement un potager en fait? Ok, l'idée c'est d'essayer de voir comment rendre ton potager productif pour nourrir ta famille. Mais ça c'est souvent ce que tout le monde essaye de faire. Hein. On va dire que même papy faisait ça, tout le monde essaye de faire ça. Mais en permaculture, je dirais qu'on essaye aussi de le rendre productif pour la biodiversité. On essaye de le rendre économe en eau, économe en énergie quelle qu'elle soit. On essaye de faire en sorte que ça soit un filtre pour nettoyer l'air qui, on le sait tous, est de plus en plus pollué. Que ce soit un filtre pour nettoyer l'eau, que ce soit un hébergement pour les champignons. Voilà, on essaye de se dire, on veut qu'il soit productif, super. Mais en plus de ça, est-ce qu'on ne peut pas lui rajouter une quantité d'options? Et est-ce qu'il y a un raisonnement prioritaire quand même? Est-ce que c'est avant tout prendre soin de la terre? Est-ce que c'est avant tout nourrir sa famille? Est-ce que c'est avant tout nourrir son esprit? Est-ce que c'est un complément de tout ça? Est-ce qu'il y a des priorités? En fait, moi, je n'ai pas forcément envie de parler au nom de la permaculture, donc je parlais juste à mon nom propre, et à mon ressenti et à ma façon de voir les choses. Moi, j'aime bien les trois points éthiques de la permaculture, qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, produire et partager équitablement. Je ne leur mets pas de priorité, c'est-à-dire que j'essaye que mon potager soit productif, mais en même temps, c'est côte à côte. J'essaye de faire en sorte qu'il favorise la biodiversité, et j'essaye de faire en sorte de ne pas surconsommer. En fait, une façon de partager, c'est de ne pas surconsommer. Tout ce que je vais surconsommer, mais quelque part, j'en prive le reste de l'humanité. Je fais un petit raccourci, mais donc j'essaye de faire ces trois points en même temps et j'essaye de ne pas les prioriser. Après, des fois dans une action, je me dis tiens, là, je suis en train de faire une action qui va me permettre de. Si j'écarte là, que je mets une tomate, j'ai détruit un petit biotope et j'ai planté une tomate pour produire mon alimentation. Okay. Mais le coup d'après, je mettrai une pierre pour attirer les carabes. Tu vois. Et justement, aujourd'hui, quand on veut essayer de mieux faire à la fois pour sa terre, pour nourrir sa famille, est-ce qu'il y a des vérités on va dire l'adjectif permacole, est-ce qu'il y a des vérités permacoles ou permaculturelles? Est-ce qu'il y a des choses non discutables qu'il faut faire, genre non travailler son sol? Je sais que moi, sitôt que je mets un coup de... Tu te fais engueuler. Ouais, sitôt que je mets un coup de grelinette, souvent c'est mal vu parce que je détruis du biotope. Mais pour moi, c'est aérer le sol, donc c'est maximiser la minéralisation, c'est offrir des minéraux aux légumes. Toujours pareil, compromis pour nourrir ma famille, ça va passer avant peut-être. Le paillage aussi, je sais que combien de fois je vois des jardiniers presque qui en sont dégoûtés du potager parce que il faut pailler même quand c'est humide, même quand il y a plein de ravageurs. Est-ce qu'il y a des vérités et quelles sont-elles? Alors selon moi, toujours pareil, je parle en mon nom, selon moi, moi ce que je mettrais en vérité, Si on veut faire de la permaculture, pour moi la vérité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les trois points éthiques. Prendre soin de l'homme, prendre soin de la terre, produire et partager équitablement. Ça pour moi c'est des vérités, c'est mon filtre. Quand je fais une action, je me dis tiens, est-ce que je suis en train de faire ça? D'accord. Et ça c'est mon filtre qui est de vérité. Et après au-delà de ça, pour moi le paillage ou le non-labour ou toutes ces actions, ça peuvent être une conséquence. Mais c'est pas une obligation, c'est pas tu ne laboureras point ton sol, tu pailleras de 10 cm ton sol. Ça c'est des... C'est juste des techniques, des solutions qu'on peut utiliser, qu'on peut choisir de ne pas utiliser si dans notre cas personnel, c'est pas efficace ou on estime que c'est pas encore efficace. D'accord. Mais
Allons plus concrètement, par exemple, le non-travail du sol. Aujourd'hui, toutes les techniques de conservation de sol, moi j'ai beaucoup de familles dans l'agriculture, ils sont en technique, ils sont en reconversion vers des techniques de conservation du sol, des semis sous couvert, ils essaient de plus toucher, mais c'est une grosse galère, c'est une sacrée d'ailleurs remise en cause. Ils sont tout le temps en formation, comme s'ils débroussaillaient un nouveau terrain. Mais d'après toi aujourd'hui, c'est vraiment, on touche plus au sol? Sur des grandes surfaces, je dis qu'il vaut mieux essayer de ne plus les toucher. On s'est rendu compte, tous ceux qui étudient le sol de façon, que c'est leurs études, je pense au Bourguignon, je pense à Conrad Schreiber, je pense à, je sais pas, Marc-André Selle, enfin tous ces gens qui étudient le sol, la vie du sol, on se rend compte que le labour, ça a un impact assez colossal. Alors, sur des grandes surfaces, je parle pas de passer trois coups de grelinette dans son jardin, je passe sur des grandes surfaces, et en plus on dégage du CO2 dans l'air, alors qu'on pourrait très bien le stocker, on pourrait faire le mouvement inverse, et là je pense qu'on est dans une époque où il faut commencer à prendre le carbone de l'air et le mettre au sol, quoi. Et donc je pense que c'est une des stratégies qui me paraît être la plus efficace. Chez toi concrètement, tu travailles pas du tout le sol? Ça dépend ce qu'on appelle travailler, mais oui. On va dire que non, je ne travaille pas le sol. Quand je plante un arbre, je fais un trou. Oui. Faire un trou, c'est travailler le sol. Ça. Oui, parce qu'il y a aussi, souvent je trouve qu'on raisonne de façon binaire, c'est oui, non, c'est 0, 1. Exactement. Parce que entre travail du sol et non-travail du sol, il peut y avoir une échelle de compromis gigantesque. Exactement. Entre travailler à la charrue à 80 cm et mettre un coup de grelinette pour décompacter un sol trop argileux. Ouais, il y a carrément tout un panel entre, c'est pas oui, non, c'est pas 1 ou 0. Il y a tout un panel. Je pense que c'est mieux de tendre, c'est mon avis personnel, de tendre vers le non-travail du sol, mais tendre, ça ne veut pas dire ne pas le faire du tout. Parfois même dans des lieux, ça peut être intéressant de mettre le dernier coup de tracteur, quoi. On met le dernier coup de tracteur, on paille, on plante et c'est fini. Donc des fois, ça vaut le coup, c'est vraiment au cas par cas à étudier. C'est pour ça qu'en permaculture, on ne parle pas de technique à reproduire sans réfléchir, on parle de design et de conception qui est unique, qui dépendra du territoire et de la personne qui va s'occuper après du lieu, quoi. On fait souvent abstraction du sol de départ dans les forums, dans les livres, dans les tendances permacoles. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas tous le même sol, on n'est pas tous lotis de la même façon. On a des sols qui sont parfaitement texturés, argile, limon, sable, matière organique. On a des sols au contraire qui sont très difficiles. Je parle un peu de mon cas, j'ai un sol extrêmement argileux qui devient du béton en été. Et il me donne un ressenti de sol mort. Et la permaculture, j'ai l'impression, exige souvent d'avoir un sol assez vivant, assez bien texturé, qui soit capable d'ingurgiter de la matière organique. Est-ce qu'on doit prendre en compte son sol de départ? Ah ben c'est sûr, il faut prendre en compte son sol de départ. Après, par contre, effectivement, au bout d'un moment, on en arrive plus ou moins à la même conclusion, souvent. C'est-à-dire que le sol... Souvent, s'il est comme ça, c'est parce qu'il y a eu du compactage. Enfin, ton sol, je ne sais pas comment c'est autour de chez toi. Si tu vas dans une forêt autour de chez toi, ce ne sera pas du tout le même sol. Non. C'est parce qu'il y a une activité humaine qui a fait que son sol, tu le considères comme mort. Et donc là, l'idée, c'est de... on prend en compte, s'il est sableux, il gardera moins l'eau, mais il sera plus facile à traverser pour les racines. S'il est argileux, potentiellement, il peut garder plein d'eau, mais les racines, des fois, elles galèrent en été. Enfin, chaque sol est unique. Et donc oui, tu le prends en compte dans ta réflexion. Est-ce que ça justifie pas, c'est moi, parce que c'est un peu ce que j'ai dans ma tête, hein, est-ce que ça justifie pas de l'aider dans des premières années à intégrer de la matière organique, parce que quand c'est très tassé, quand c'est très argileux, que ça manque de respiration, d'air, d'eau, est-ce qu'on ne va pas perdre des années à ce que le sol de lui-même soit capable de travailler tout seul? Moi, généralement, là, j'ai de la chance, là où je suis en Corrèze actuellement, j'ai un sol qui n'est pas trop argileux, donc j'ai pas eu du tout besoin de le travailler. Hein. Au début, j'ai essayé de passer la grelinette, mais avec tellement d'herbe que c'était impossible. J'ai juste mis, on va dire, 20 cm de matière organique, et 6 mois plus tard, je plantais directement dedans. Ça, c'était mon cas en Corrèze. Et quand j'étais ici dans le Var, là, on n'a pas creusé la terre, mais c'est une terre très, très argileuse. Ça a mis quasiment 5 ans pour que mon sol soit vraiment apte à accueillir des légumes sans être travaillé. Et donc pendant les 5 premières années, je mettais un coup de grelinette, j'enlevais le chien dedans et je mettais après, ma technique c'était de mettre de l'herbe et de la paille par-dessus et je plantais dedans. Et donc pendant 5 ans j'ai greliné et au bout de 5 ans j'ai arrêté de greliner. Tu as greliné dans quel but? De plusieurs actions, c'est-à-dire décompacter un peu et retirer le chien dedans. Moi c'était 90% de chien dedans la prairie, donc ça permettait de tirer les rhizomes dans la zone de culture, les utiliser après en paillage. Et je plantais, après j'ai mettais de l'herbe comme nourriture azotée, de la paille comme couverture carbonée, et je plantais dedans.
Aujourd'hui, même mon papy, hélas, qui n'est plus là, mais il y a encore son potager qui témoigne. Il passait le motoculteur, il était fier avec. Il avait même deux petits tracteurs. Ça labourait, ça enlevait les mauvaises herbes, ça aérait, ça décompactait. Il avait des résultats. Il pouvait nourrir presque tout le village avec son petit potager. Donc aujourd'hui, travailler le sol. Et ça se fait encore aujourd'hui énormément. Je pense à la dernière vidéo de Brian qui est allé visiter une maison autonome. Le gars justement a essayé, Dominique il s'appelle, il a essayé de ne pas travailler le sol une saison, de pailler. Il a été envahi de rongeurs, de ravageurs, on en parlera tout à l'heure. Et il est vite revenu, il a dit moi la permaculture, non, je reviens à mon motoculteur, je mets du fumier, je mets du compost, je travaille tout ça, je mélange sur les premiers centimètres et ça marche, c'est performant. Mais peut-être que là on n'est que dans le pilier nourrir sa famille. On est dans le pilier nourrir sa famille et souvent, je ne connais pas, j'ai pas vu ce passage-là de la vidéo, on est aussi dans un pilier où on regarde qu'au niveau de son jardin et du présent maintenant. C'est-à-dire qu'on est, si on prend, on en parlait tout à l'heure, on prend des granulés anti-limaces parce que le paillage, il nous dérange à attirer les limaces. Ben, ça veut dire que notre système, si un jour ces granulés anti-limaces ne sont pas là, notre système, il tient pas la route, quoi. Pareil, si on passe le motoculteur. Pourquoi pas, mais ça veut dire que si d'un coup le motoculteur il marche pas ou il n'y a plus d'essence ou un truc comme ça, ton potager il tourne pas. Donc pour moi il y a un problème aussi de manque de résilience, manque de capacité à se débrouiller de façon autonome. Parce qu'il y a aussi un autre point que moi j'essaye d'atteindre le plus possible, je tends vers une forme d'autonomie. Et donc bah, tout ce qui m'oblige à aller acheter du gasoil ou des granulés ou de... peu importe. Ramener des intrants, en fait, pour moi, j'essaie de limiter ça au maximum. Donc, pour moi, c'est plus efficace de produire beaucoup sans avoir besoin de ces intrants. Et y a plein d'exemples de gens qui nourrissent beaucoup de monde sans avoir besoin de passer par le motoculteur et tout ce dont je viens de parler à l'instant, quoi. Mais après, je suis pas dans le jugement. C'est-à-dire que je vais jamais dire à quelqu'un tu ne dois pas faire ça, quoi. Parce que la personne, elle fait peut-être mille et une autres choses. Je connais pas sa vie, je peux pas juger quelqu'un que je connais pas. Je regarde juste moi et mes actions et je me dis, ah, si je faisais autrement, ça serait encore mieux, ce serait encore un meilleur moi. C'est tout, mais les autres, je peux pas me permettre de juger l'activité de quelqu'un d'autre, quoi. La tolérance. Ben, il me semble que c'est important, quoi. C'est important, ouais, je pense. Et ça permet aussi de pas nous diviser parce que je pense que cette personne-là, moi, toi, on a plein de points en commun, on va tirer dans une même direction. Et je pense que si on s'oppose pour des petits détails comme ça, on va tirer dans des directions différentes et en fait on n'avancera pas, quoi. Donc je pense que c'est intéressant d'être tolérant pour mon ennemi, c'est pas celui qui va passer les motoculteurs. Si je dois trouver un ennemi, déjà j'ai pas une façon de penser en mode ennemi, mais si je dois en trouver un, ce sera plutôt Monsanto, tu vois, un gros truc comme ça, tu vois, par exemple. Mais ou un autre, on va dire Bayer ou peu importe, on s'en fout. Mais le gars qui passe en motoculteur, eh ben, quelque part il fait la même chose que moi, mais avec ses techniques à lui, quoi. Souvent, j'entends qu'en permaculture, il faut pas se poser la question, quoi. Il faut couvrir son sol 365 jours sur 365. C'est une condition non discutable. Ceux qui disent ça, ils n'ont pas la même compréhension que moi de la permaculture. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que j'ai tort, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je vois pas les choses comme ça. Moi, ce que je propose, ce que je pense que toi, tu fais aussi, c'est quand on fait une action, on se pose des questions. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait parce qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire? Donc il y en a qui taillent leurs tomates parce qu'on leur a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire, mais il y en a qui paillent leur sol parce qu'on leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Moi j'essaye de sortir du c'est comme ça qu'il fallait faire, c'est que si mon sol je le décide de le laisser couvert, c'est mon cas, moi je le dépaille pas au printemps, parce que je me dis, ah mais je veux que les carabes soient là en même temps que quand les limaces vont arriver, je veux, parce que si mon sol je le fous en plein soleil, eh ben, ça va abîmer la vie, donc là c'est mon regard, mais j'ai conscience que mon sol se réchauffe moins vite. Je t'explique par exemple le mien. Moi, je raisonne comme mon corps, en fait. Je me dis, à l'été, il faut que je me couvre, il faut que je mette une casquette, un chapeau. Mais au printemps, je ne suis pas agressé, tu vois, par le climat extérieur. Et je me dis, mon sol ne doit pas l'être aussi, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai ce ressenti-là dans les mi-saisons. Je me dis, l'hiver, ouais, il a peut-être besoin d'être couvert. L'été, il a besoin aussi de se protéger. Je raisonne un peu comme ça. Je comprends, mais du coup, enfin, moi, je raisonne plutôt les bestioles qui vivent dans mon sol. Et elles ont besoin d'avoir un toit et à manger. Ouais. Donc, si je leur enlève leur toit et leur à manger, eh ben forcément elles vont partir ailleurs, quoi. Donc dans ma zone, mon sol effectivement il va chauffer, il va récupérer des avantages, mais pour moi il va en perdre également. Et si tu incorpores de la matière organique, genre fumier, compost, est-ce que tu n'as pas comme un paillage en fait intégré sur les 10 premiers centimètres? Parce que ton sol est tellement nourri de matière organique que là-dedans
c'est comme une fourmilière, quoi. Ça grouille, ça vit. Est-ce qu'une matière organique n'est pas un paillage en soi quand elle est incorporée sur les premiers centimètres? Selon moi, bon, après on peut toujours en débattre. Pour moi, un ver de terre, il préfère à manger ça en décomposition que ça déjà décomposé. C'est selon moi. Et en plus, si son sol il est découvert, il n'y a pas de cachette. Il y a peu de cachettes. Il y a toujours des cachettes parce qu'il y a toujours des galeries, des trucs. Mais un carabe, s'il n'a pas un truc pour se cacher, il ne sera pas là. D'accord. L'importance d'avoir de la matière organique non décomposée, en fait. Pour nourrir. Moi, je pense que pas mal d'organismes ont besoin d'un truc non décomposé. Il y a des organismes qui acceptent très bien un compost digéré, mais il y a des organismes qui ont besoin de matière un peu plus brute. Mmh. Et donc, voilà, moi, j'aime bien m'occuper d'eux. Mais en fait, ça m'arrive aussi de dépailler. Par exemple, si je fais des semis de laitue au printemps, admettons, ben sur 3 mètres carrés, je dépaille. Parce que j'en reviens à mon raisonnement, c'est qu'au printemps, donc voilà, j'essaie de me dire mon sol, je pense qu'il peut. Mais j'ai aussi le pilier nourrir ma famille et que je me dis, si je dépaille, je sème plus facilement, j'ai moins de chances que mes graines se fassent manger. Exact. C'est des choses comme ça, quoi. C'est vrai, moi je le fais des fois sur quelques mètres, je dépaille, je mets mes semis de salade, de carottes et j'ai pas de paillage. Mais tu seras pressé de recouvrir. J'aurai toujours mon regard qui me dit ah bon, c'est un compromis, tu vois. Ouais. Mais on en fait tous des compromis tous les jours. Tout à fait. Donc c'est un compromis. Dans l'absolu, j'essaye de me dire mon sol couvert le plus possible, mais dans certains cas, je le découvre. Ce paillage, ça peut être toute une diversité de matières organiques. Hein. Je pense au fumier, je pense au foin, la paille, les feuilles mortes, l'herbe. Tu as des principes dans ta tête? J'essaye. C'est un principe de maximiser la diversité dans tout, donc dans ça aussi en fait, d'avoir un paillage le plus diversifié possible, c'est ma façon de faire, mais après dans certains cas, t'as pas accès à de la diversité. Dans certains cas, tu te retrouves, t'as que de l'herbe quoi. Bon, c'est un peu trop azoté selon moi, mais bon, tu peux la faire sécher, tu la transformes en foin et tu l'utilises quand même. Donc pour moi, un principe qui va avec la diversité, c'est le plus local possible. Si j'ai pas de paille localement, je vais pas faire venir de la paille de 200 bornes pour pailler mon jardin parce que j'ai vu qu'il fallait mettre de la paille. D'accord. Donc j'essaie de faire le plus local et le plus diversifié possible. Je pense à Didier, peut-être que tu connais le potager du paresseux. Exactement, il est très froid. Oui. Mais il est très cultivé, il a sorti un livre, je l'ai lu deux fois tellement il est dense de connaissances. Et lui, il ne jure par exemple que par le foin, ouais, parce que c'est un, on en parlera tout à l'heure, c'est un bon équilibre carbone-azote. Hein. Tu as un avis là-dessus ou... Alors oui, j'ai un avis là-dessus. Je pense qu'en fait, chaque chose a des avantages et des inconvénients. Et donc, si tu veux nourrir les bactéries de ton sol, effectivement, tu as un bon rapport carbone-azote. Par contre, si le but, c'est de le protéger parce qu'il y a des canicules et en été, tu veux que ton eau, elle reste dans ton sol, eh ben, je trouve que la paille, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Si tu veux nourrir des champignons, parce que toi, c'est pas forcément les bactéries que tu zoomes sur les champignons, ben, il va falloir plus de lignine. Donc, tu vas mettre du broyat ou un truc comme ça, quoi. Donc en fait, ça dépend. Pour moi, la réponse, c'est ça dépend. D'accord. Ça peut être une belle transition vers le carbone et l'azote. Hein. Mmh. Alors ça, moi, je sais que ouais, ça fait 5 ans que je dois être sur le sujet. Et voilà, ça navigue. Hein. Alors j'ai l'impression aujourd'hui que dans les techniques hors sol, on est très sur l'azote à court terme. On y va sous perfusion, on se passe du sol. On perfuse les légumes, on les nourrit d'azote notamment. Exactement assimilable. Le sol, le pilier, la terre disparaît, c'est nourrir. Et au contraire, on a des dernières avancées, notamment Konrad Schreber, les techniques de maraîchage sol vivant, où là on parle de plus en plus du carbone. Ouais. Mais sachant que le carbone ne va pas fertiliser le potager pour le printemps prochain, parce qu'il met du temps à se minéraliser, il met du temps à devenir digérable ou assimilable par les légumes. Les légumes, ce qu'ils aiment, c'est l'azote, le phosphore, le potassium, mais le carbone, c'est le sol, ça, qui le veut. Donc oui, il y a les travaux de Konrad qui sont vraiment hyper intéressants, qui montrent qu'en mettant du carbone sur son sol, finalement, on apporte également de l'azote. Par exemple, tu mets de la paille sur ton sol, ta paille, elle est jaune, elle est très carbonée. Tu reviens 6 mois après, ta paille, elle sera devenue marron. Mmh. Elle aura été attaquée par plein d'autres choses, mais notamment des bactéries fixatrices d'azote libres. On imagine souvent avec les légumineuses, les fixatrices d'azote, mais aussi des bactéries libres qui vont s'attaquer à ta paille. Cette paille marron, elle va nourrir les vers de terre, par exemple. Les vers de terre, il y a un autre gars qui fait des vidéos intéressantes, il fait des conférences. Marcel Boucher. Mmh. Donc il va t'expliquer que le vers de terre, il va te donner des quantités folles d'azote. Oui. 600 unités, je ne sais plus, c'est énorme. C'est énorme. Colossal. Du coup, en mettant du carbone sur ton sol, il y a plein de mécanismes différents, là j'en ai évoqué un seul, qui permettent de finalement amener de l'azote. Mais ça sera plus lent que mettre de l'herbe.
Mais par contre, ça te créera un humus beaucoup plus stable. Oui. Comme souvent dans la vie, plus c'est lent, plus stable c'est, mieux c'est. Quoi. J'ai été boulanger dans une première jeunesse et le pain le meilleur, c'est celui qu'on met le plus de temps à faire. Et au contraire, celui qu'on bombarde de chimie, de levure chimique, ah, il est joli, mais il sèche la journée même. C'est un peu, on peut le voir un peu comme ça. Ça me parle. Je ne suis pas, je suis pas spécialiste du pain, mais ça me parle ce que tu dis. Mais après, toujours pareil, j'en reviens à moi, le petit jardinier qui... Je veux nourrir ma fille, mon fils, ma femme, le printemps prochain. Ouais. Et si je mets de la paille, si je mets que ça, là, en ce moment, ouais. Alors certes, si c'est une première année, ça va aller, parce que le sol, souvent, est riche. Ouais. Mais dès la deuxième année, nos légumes ont pompé. Et si je mets de la paille, ça va pas suffire. Non, moi, je te conseillerais de mettre de la tente, par exemple. Si tu as des allées dans ton chemin, tu mets un coup de tondeuse, mécanique ou électrique, peu importe, on s'en fiche, et tu mets de la tente. Bon, c'est ce que je faisais ici, ça marchait hyper bien. Tente, paille par-dessus. Quoi. Parce que la tente est plus azotée, c'est beaucoup ça plus azotée, ouais. Beaucoup plus azotée, du coup, tu as rapidement les bactéries, et du coup, ça va nourrir tes plantes assez rapidement, mais en même temps, tu vas garder une couverture du sol qui va permettre au système long dont on a parlé à l'instant de s'installer. Donc, tu as à la fois le rapide et le durable. D'où le foin de Didier, c'est qu'on en revient un peu à l'équilibre du foin, quoi. Ouais, en mettant du très carboné, du très azoté, paille et herbe. Ouais. On en revient effectivement à une espèce d'équilibre, mais qui a aussi ses inconvénients, dans le sens où le foin, tu le mets, mais il faut tout le temps en remettre. Ouais. La paille, tu la mets, t'es tranquille pour au moins la saison. Quoi. J'ai essayé l'année dernière en 6 mois, mais même la paille, je vois, quand je vois les vidéos d'il y a un an, je me dis, mais où elle est passée? Ouais, c'est bouffé, mais du coup, c'est bon signe, c'est-à-dire que ton sol est capable de bouffer du carbone. Quoi. Ouais. Et du coup, tu refais un humus stable, ton sol, tu l'améliores, en fait, t'es en train de l'améliorer et tu produis de la nourriture pour ta famille comme t'as envie. Quoi. Moi, par exemple, je raisonne beaucoup en carbone, j'apporte du foin, j'apporte de la paille, mais à mon sens, c'est trop carboné. Alors, j'apporte du fumier, j'apporte du compost végétal, j'apporte du broyage, j'apporte du compost maison. Est-ce que toi, tu as comme un plan de fertilité chaque année, parce que je vois que tes résultats sont... C'est impressionnant à l'image, t'as l'air d'avoir... J'ai la chance d'avoir 3 équidés, donc j'ai une prairie. Mon potager, il est petit, certes, mais si je veux vraiment être honnête, ce qui fait la productivité de mon potager, elle vient d'un peu plus loin que mon potager. Ouais. C'est-à-dire que j'ai 3 équidés, et donc ça me fait vraiment potentiellement un truc hyper productif. Et je fais venir un peu de foin et un peu de paille également de l'extérieur. Pour l'instant, c'est ça, mais ça, c'est ma productivité à court terme. C'est-à-dire que ma productivité à long terme, pour moi, ça va être les arbres. C'est-à-dire que je plante des arbres partout, parce que j'adore les arbres. En fait, c'est mon créneau, là, c'est les arbres, parce que je trouve que c'est la solution à des quantités de problèmes. En fait, je pense qu'on peut nettoyer l'air, nettoyer l'eau, produire de la nourriture, attirer la biodiversité. C'est joli, vivre dans un monde agréable. Pour moi, l'arbre, il répond à pas tous les problèmes, mais énormément. Et si on a un petit jardin, je comprends bien qu'on peut pas mettre des arbres partout dans son potager, mais il y a les haies. On fait des haies, ça peut être productif, mellifère, tout ce qu'on veut. Quoi. Et donc voilà, moi, mon plan sur le long terme pour être le plus autonome possible et produire ma fertilité proche du potager, c'est les arbres qui vont entourer mon potager. En fait. Et j'ai du mal à comprendre concrètement, qu'est-ce que va t'apporter l'arbre dans ton plan de fertilité? Tu as entendu parler, je pense, du BRF. Mmh. Donc je peux faire du BRF ou même juste du broyat. Et du coup, ou même juste mettre des feuilles mortes, ou mettre des feuilles vertes, mettre de la matière organique, en fait, mettre cette matière organique sur mon sol, nourrit ma vie du sol, la vie du sol nourrit mes végétaux qui poussent. L'arbre, il a aussi un autre avantage, c'est qu'il envoie des racines en profondeur, il va attaquer la roche-mère, il va remonter les minéraux dans son feuillage, les minéraux retombent dans la matière organique, et se crée une boucle, quoi. C'est un super fertilisant à l'arbre. Quoi. Tu aimerais te passer du fumier ou c'est en complément? Je l'ai, donc je l'utilise. Moi ici, j'avais pas de fumier, je n'utilisais pas de fumier. Donc pour moi, c'est l'idée, c'est de ne pas créer de déchets. Donc ce fumier, si je ne l'utilise pas, c'est un déchet. Ici, par exemple, tu utilisais quoi donc? On avait quelques poules. Oui, quand même. Ouais. Ouais, mais c'était vraiment peu. Je sais pas. Nous, j'utilisais la tonte et la paille. On avait un céréalier bio dans le village. Donc c'était de la paille bio du village, plus la tonte, mais l'idée à terme, là maintenant, je pourrais être quasiment autonome en fertilité grâce aux arbres. J'en reviens à la problématique du petit jardinier qui veut faire de la permaculture. Donc il a 100 mètres carrés, voire même moins, il a 50 mètres carrés, il veut faire de la permaculture, mais il n'a pas de matière végétale à disposition, il n'a pas de matière animale à disposition, il n'a rien en fait. Comment est-ce qu'il fait pour rendre fertile son potager? On a une clôture avec le voisin. Cette clôture, on peut la végétaliser et du coup produire ne serait-ce qu'un peu de sa matière organique qui va nourrir le potager. Quand tu fais pousser une tomate,
tu as produit un peu de matière organique que tu vas pouvoir reposer sur ton potager. Donc là, le plan de tomate, en fait. Le plan de tomate en lui-même, c'est de la matière organique que tu vas pouvoir déposer tous tes légumes. Au lieu de les prendre, bah, tu fais ce que tu veux. Je ne veux pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais il y a le choix. Je les prends, je les brûle dans le compost ou je les amène à la déchetterie, ce qui se fait. Mais ça ne me paraît pas être le plus efficace. Et pour moi, il y a le plan. Soit je le mets sur le sol en compost direct, soit je le mets dans un composteur indirect. On choisit sa méthode qui nous convient le mieux. Et on tend vers l'autonomie. Avec 100 mètres carrés, tu ne seras pas autonome 100%, mais tu fais au mieux. Tu essayes de préserver la biodiversité. Donc potentiellement, tu peux accorder quelques mètres carrés pour les herbes sauvages, un petit totem insecte, quelques bouts de bois, un petit truc pour la biodiversité, même si tu as besoin de ce mètre carré. C'est un petit ça. Si tu as 100 mètres, tu peux laisser un mètre pour moi à la biodiversité, mais tu fais comme tu veux aussi. Voilà, tes haies, c'est des lieux de biodiversité, donc tu fais au mieux avec ce que tu as. Pour moi, c'est ça la permaculture, c'est tendre vers le mieux, quoi. Dans ma tête, en fait, c'est pas suffisant pour rendre fertile ton sol. D'accord, ce que tu dis. Bien sûr. Donc là, moi, ce que je dis, c'est que tu fais au mieux. Ouais. Si te manque de la fertilité, tu vas la prendre le plus localement possible. Ouais. C'est-à-dire, moi, je vais prendre le fumier de mon voisin. Ouais. Et je suis fier. Hein. Je vais ramasser le crottin de ses chevaux. Parce que probablement, tu l'aides. Parce que lui, oui. Les chevaux, il est un surplus. Il en a trop. Ouais. Et du coup, voilà, tu la rends dans un... Parce que la permaculture, c'est pas juste autour de soi. C'est autour d'une communauté. Oui. Ça peut être autour d'un village, autour d'une région, autour d'un pays. Oui. Réfléchir aux meilleures solutions. D'ailleurs, à toutes les échelles, quoi. C'est une question aussi que je voudrais te poser. C'est que souvent, on me dit, ouais, mais tu fais des intrants dans ton potager. D'une façon un peu péjorative, alors que pour moi, j'en suis fier. Et en fait, même presque la question d'autonomie, des fois, j'ai un peu de mal avec ça, dans le sens où je trouve que les avancées de paix, c'est au contraire vers l'ouverture, vers le sociétal, vers enlever les frontières, quoi. Et si on se remet des frontières chacun, qu'on se dit non, je suis chez moi, je me démerde, je veux pas d'intrants. Moi, j'ai pas cette, je sais pas si c'est le mot colère, mais je veux sortir de chez moi et je veux avoir besoin de mon voisin, je veux avoir besoin de services publics, je suis fier d'y cotiser, quoi, ces choses-là. Je pense que je suis assez proche de toi avec ces idées-là. Je pense qu'il faut pas confondre l'autonomie et l'autarcie. Donc, autonomie pour moi. Après, chacun a sa définition et j'entends ce que tu dis, ça existe aussi, hein. Des gens qui se ferment, qui mettent des murs et on prend des fusils et on tire sur ce qui se rapproche, j'exagère un peu. Mais disons qu'on entend beaucoup de discours ou quoi faire, comment faire pour être le maximum renfermé chez soi, quoi. Moi, quand je parle d'autonomie, je parle pas d'être renfermé chez soi, je parle d'être libre, d'avoir des échanges avec mes voisins, mais que ce ne soit pas des obligations pour moi. C'est-à-dire que si la personne qui fait du crottin comme toi, si d'un coup, elle dit non, je le vends à la machin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais toi, d'un coup, paf, tu te retrouves embêté parce que tu avais ton lien, tu étais dépendant de cette personne. Moi, si j'achète du pain à mon boulanger bio, je suis très content de lui donner des sous, je suis très content d'aller le voir, c'est génial. Si un jour, il arrête de faire du pain pour X raisons, je vais pas crever de faim parce que j'ai tout le reste, quoi. Ouais. Pour moi, l'autonomie, c'est de pas être totalement dépendant d'une relation, c'est d'être libre de la faire de façon... libre pour moi. Ouais. Mais tu vois, c'est peut-être là où je pense pas comme toi, c'est que moi j'ai envie d'avoir cette dépendance. En fait, je suis fier de le faire bosser, je suis fier d'aller voir mon boucher, je suis fier d'aller voir mon... J'ai de la vraie admiration pour eux, pour leur métier. Je les imagine tout le matin aller se lever pour aller au fournil, pour aller chercher les bêtes. Enfin, et du coup, tu vois, ouais, j'ai envie de ces échanges-là, quoi. Quelque part, presque, je m'en voudrais d'être totalement autonome, quoi. Mais moi, je les garde, c'est comme je disais, ouais. Je suis content d'aller acheter mon pain bio, tu vois. Mais tu préfères avoir une roue de secours, ouais, si jamais... Exactement. En fait, c'est en gros, c'est un des principes de permaculture, c'est qu'un élément remplit plusieurs fonctions, mais chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. D'accord. Donc, la fonction m'alimenter, elle doit dépendre de plein de choses. Ma fonction fertilité du terrain, pour être résilient, il faut qu'elle dépende de plein de choses différentes. Donc moi j'ai les toilettes sèches, j'ai les équidés, j'ai les arbres, je peux potentiellement faire venir du foin, enfin mille façons de me fertiliser mon terrain. Et au moins s'il y a un de ces éléments qui disparaît pour X raisons, j'ai tous les autres qui sont là en soutien. Ok. Moi dans ma tête, le sol c'est 95% de terre, de limon, d'argile, de sable et un peu d'organique. Hein. Ouais. Mais si on fait des buts... la matière organique, c'est tout sauf permanent aujourd'hui. Une matière organique, ça brûle, ça se composte dans le meilleur des cas, ça fait un peu d'humus, mais souvent quand on fait une butte, l'année d'après, il n'y a plus rien. Enfin, il y a la moitié, ouais. 3 ans après, ça disparaît. Ouais. Comment raisonner butte et permaculture? Il y a quelque chose qui m'échappe. Ok, alors il y a plein d'ordres. Il n'y a pas la butte de permaculture. Pour moi, il y a autant de façons de faire des buttes que ce qu'il y a de contextes différents. Donc, tu as des buttes qui sont que en terre, par exemple. Dans une zone qui est inondable,
tu peux très bien faire des tranchées en terre et faire une butte. Des buttes de terre, de sol. Donc ça, c'est une des techniques. Mmh. Et effectivement, tu parles pas de ça. Toi, tu parles plutôt d'une genre de lasagne ou oui. de clubbois, admettons. Oui. Donc, en tout cas, tu parles de matière organique posée sur le sol, c'est ça? Oui, je parle. Souvent, je vois des rondins de bois sur lesquels on met une couche de feuilles, une couche d'herbe, une couche de fumier, de foin. Mais il n'y a pas de sol en fait, il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'argile, de limon, de sable. Alors pour moi, il y a plusieurs. Donc c'est pas une obligation, je tiens à le dire déjà, premièrement, parce que c'est pas du tout une obligation, on peut très bien faire différemment. Donc il y a mille et une autres façons dont on a un peu parlé tout à l'heure. Mais là, pour se bloquer sur ce truc but, donc déjà la butte, la permaculture, c'est souvent associé, mais c'est. Pour moi, c'est séparé. C'est une technique de jardinage qu'on peut utiliser ou non en permaculture. Ça a été très un effet de mode, disons. Donc, mais c'est pas du tout une obligation, mais moi je vais te dire pourquoi j'en fais encore, comme ça moi ça va peut-être répondre tout à fait, qu'est-ce qui est durable dans ça. Déjà effectivement tu peux dans un sol qui est complètement défoncé, mort, enherbé, pourri, tu fais ta butte de culture, ta lasagne là, ta carbone azote, un peu de terre par-dessus, bam, tu cultives dedans. Donc là effectivement dès la première année, tu parlais tout à l'heure de l'idée de produire rapidement, dès la première année tu as un truc hyper productif. La culture en lasagne, je sais pas si tu as déjà essayé. Et non. Bon, c'est souvent, après il peut y avoir des cas où ça marche pas, mais je trouve que c'est très 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 productif souvent. Parce qu'il y a plein de trucs, ça va booster, c'est du compost. Ça... C'est beaucoup de travail hein, quand même, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Hein. C'est ouais, que... c'est beaucoup de travail. Après, je pense que ça peut être intéressant, tu vas voir pourquoi, parce que je sais que tu fais du compost. Ouais. Donc la culture sur... donc ça permet à ce but-là de rendre ton sol meilleur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une moitié qui va disparaître, l'année d'après, il y a l'autre moitié quasiment qui disparaît. Et ton sol en dessous, il est devenu hyper fertile. Tu as les vers de terre qui sont remontés. Et pour moi, tu peux après cultiver dans ton sol, derrière ta lasagne ou ta butte. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Et moi, j'en fais encore des lasagnes. J'en fais pas beaucoup. Dans mon potager, je crois que j'en ai 3. Enfin, c'est pas beaucoup, tout est relatif. Mm-hmm. Enfin, disons que j'en ai 3. Moi, ça me sert à faire du terreau. C'est-à-dire que je fais ma lasagne. Comme toi, tu fais du compost. Mais sauf qu'au lieu de me dire, je fais du compost, je me dis, je fais sur mon compost, je plante des plantes. D'accord. Et du coup, quand j'ai récolté mes tomates, mes pommes de terre, on s'en fout de quoi, je remue tout et j'ai mon terreau que je mélange avec un peu de terre pour la saison prochaine. Je fais mon compost en fait. D'accord. Je fais du compost, mais je mets des légumes dessus. D'accord. Tu le vois comme un bac à matière organique hein, et qui va composter en fait. C'est ça. Et au lieu de me dire, bah, c'est que mon compost, je me dis, c'est mon compost, c'est aussi ma production, une partie de ma production de pommes de terre, c'est aussi une partie de ma production de. On s'en fout quoi. Voilà, au lieu de faire le compost dans un coin, je le mets au milieu du potager et je mets des légumes dedans. Ok. Donc en fait, tu pars du principe de réutiliser de la matière organique que tu as sur place, oui. D'où l'intérêt de buter quoi, de faire des buts. Ça, après, ça peut aussi avoir d'autres intérêts. Si tu as vraiment un sol hyper argileux, dès la première année, bah, tu vas galérer à mettre la grelinette. T'as pas envie d'acheter un motoculteur juste pour faire ce coup-ci, enfin, ça peut être aussi dans un effet de vite produire, tu sais pas comment faire, tu peux avoir de la matière organique, tac, c'est une des techniques possibles quoi. Ok, si on regarde d'un autre côté cette mode, ouais c'est un peu une mode je trouve, hein, d'ailleurs chaque fois ça ne loupe pas sur les forums, tu vois un jardinier qui a fait un gros trou, qui a mis ses rondins de bois et qui a recouvert tout ça, et les commentaires affluent, alors tu as « ouah, c'est chouette », et puis « mais quelle débilité souvent », parce que ça manque de tolérance là aussi, et ça génère beaucoup de réactions excessives, quoi. Ouais. Déjà, ça me fait penser à un truc, c'est que moi j'adore ce que tu fais, ton travail, ta chaîne, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de tolérance dans ce que tu proposes. Merci. Je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est je trouve que ces vidéos sont agréables à regarder. Il y a plein d'informations et je trouve énormément de tolérance. J'ai pas tout vu, mais je t'ai jamais entendu dire ceux qui font comme ça, c'est des cons, ils ont rien compris, eux, c'est des abrutis. Non, il y a toujours, ouais, tu as raison. Ouais, je trouve que c'est super important de se remettre en question, d'avoir malgré tout des convictions, mais quand même d'être intéressé. Quoi, essayer de comprendre, comme tu disais, j'essaie de comprendre pourquoi il fait en fait. C'est hyper, hyper agréable de regarder ta chaîne pour ça. Et du coup, c'est juste pour le côté critique des gens qui font des critiques. C'est facile en fait de critiquer quelqu'un qui fait un truc qui est pas parfait, on fait tous des trucs pas faits. Oui. Là on a une caméra, elle est en plastique, on peut dire ah, c'est pas très permaculture, tu vois, c'est pas parfait, moi je suis pas parfait, mais bien sûr. Vrai, j'ai des trucs, c'est vrai. Donc on est tous imparfaits, il faut s'accepter avec nos imperfections et on essaye de faire au mieux. Et cet intérêt d'enterrer du bois, tu en penses quoi toi? Je suis mitigé, moi je le fais pas, alors après plusieurs choses en fait. Pour moi, donc, on va dire que le sol c'est ma main, t'as un sol. Pour moi, il y a une différence entre mettre du bois sur le sol et le couvrir de matière organique et creuser dans le sol et mettre du bois en dessous. Ouais. Pour moi, là déjà, il y a une différence. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de faire des buts avec le bois au-dessus du sol parce que ce bois-là, il ne sera pas gorgé d'eau, il sera toujours drainé, il sera en contact avec l'air. J'ai jamais creusé pour mettre du bois en profondeur parce que j'ai peur que ça se gorge d'eau, que ça rentre en anaérobiose, que ça pourrisse. Qu'il n'y ait plus d'oxygène. Etc. Mais à côté de ça,
Il faut savoir que quand un arbre pousse, il met des quantités phénoménales de bois dans le sol. Un ver de terre, quand il va. On dit qu'il ne faut jamais enfouir de matière organique, mais les plantes passent leur temps à enfouir de la matière organique, les vers de terre passent leur temps à enfouir de la matière organique, les arbres enfouissent du bois dans le sol. Dans une forêt, il y a des quantités phénoménales de bois enfouies. Sauf que comme nous, on vit au-dessus, on dit que ça n'existe pas dans la nature. Mais en réalité, le bois sous terre, ça existe dans la nature. Et en fait, il y a des champignons qui ont besoin d'un taux de carbone assez élevé et ils vivent qu'à une certaine profondeur. Et donc, ces champignons-là, ils ont besoin du bois des forêts, du bois enfoui. Donc, moi, je ne suis pas un idolâtre de l'enterrer du bois. Je le fais pas trop, mais je suis pas non plus un anti-enterreur de bois. Ouais, ça peut-être fonctionner, et puis il y aura toujours peut-être des bestioles, des champignons qui vont s'en nourrir. Donc, si quelqu'un fait comme ça, il nourrit son potager, comme toi tu disais tout à l'heure, la personne passe son monoculteur et nourrit sa famille. Si une autre personne nourrit sa famille en enterrant du bois, ben libre à lui, quoi. Ça marche aussi, quoi. À mon sens, la première fertilité en fait de toute vie végétale, animale, et pour nos légumes aussi, c'est l'eau. C'est 80% du poids de nos légumes, 90%, même pour nous, c'est 70% de nos muscles, de notre cerveau. Et malgré ça, aujourd'hui, quand j'arrose au tuyau, par exemple... Tu te fais engueuler. Ouais, et puis vraiment bien comme il faut, parce que... bon, déjà, en plus, parce que j'arrose avec le réseau, parce que j'ai pas capacité à récupérer des mètres cubes, parce qu'il me faudrait bien 30 mètres cubes, quoi, pour passer la saison. Ouais. C'est presque une piscine, quoi. Comment tu vois, je sais pas, déjà le rôle de l'eau et sa gestion dans un potager Alors, ben, pour moi, le rôle de l'eau, il est primordial, c'est fondamental. Comme tu le dis, l'eau c'est la vie, on va simplifier avec cette phrase connue, l'eau c'est la vie. Sinon, l'eau, si tu n'as pas accès à l'eau, l'idée c'est de trouver des moyens pour avoir moins besoin d'en acheter du réseau, quoi. C'est-à-dire pailler son sol, ça permet à l'eau de ne pas s'évaporer, d'être stockée dans le sol. Installer des cuves d'eau pour récupérer l'eau de pluie au maximum, c'est toujours intéressant. Voilà, donc essayer d'avoir... En fait, l'eau, pour moi, ce qui me semble être le plus efficace, sans doute, en plus des réserves d'eau, c'est de la stocker dans son sol. Donc mettre de la lignine, va nourrir des champignons, mycorhiziens, etc. C'est des éponges, ce truc-là, quoi. Et avoir un sol capable de garder l'eau et de la stocker, quoi. Je reviens à la problématique que j'ai et que peut-être d'autres jardiniers ont, c'est que... Je me souviens, je m'étais beaucoup renseigné en préparant la vidéo sur le sujet. Le sol a ce qu'on appelle une réserve utile qui va de 200, 300 litres par mètre cube, que le sol peut stocker. Les sols argileux vont mieux stocker que les sols sableux. Il y a la pluie, bien sûr, qui recharge. Mais moi, encore cet été, par exemple, j'ai eu presque 100 jours sans pluie, des températures au-dessus de 30, 35, même 40 degrés. Et surtout, la première source d'évaporation, c'est le vent. Alors effectivement, le paillage y aide. Moi, j'ai toujours envie que mon sol soit comme une éponge essorée quand on le touche. Et est-ce qu'il faut priver son sol de cette première fertilité de vie et en plus pour nourrir notre famille? Et ça, moi, je me le refuse. Donc en fait, j'arrose tout simplement sans remords. Je pense qu'il y a des techniques pour avoir moins besoin d'eau, quoi. Si tu augmentes le paillage, tu as moins besoin d'eau. Voilà. Ah, mais par contre... Au sud de la France, un peu d'ombre, ça peut être intéressant, quoi. Ouais. Par contre, j'ai diminué drastiquement mes besoins, mais je les ai, si tu veux, je les ai toujours, quoi. Après, peut-être l'idée, c'est est-ce que tu as réfléchi à comment chaque année faire un petit peu mieux, quoi. C'est ma seule petite question. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Mettre des haies plus efficaces, faire de l'ombre avec un arbre. Augmenter le paillage, garder plus d'eau de toiture. T'as sûrement de la toiture, t'as sûrement capacité à garder de l'eau. Là, il est tombé, je sais pas combien. Si t'avais eu plus de cuves, t'aurais plus d'eau. C'est là-dessus où je voudrais beaucoup progresser, oui, essayer de récupérer l'eau de pluie, parce que tu l'as vu encore très récemment. Chez nous, ça tombe peu fréquemment, mais si on arrive à récupérer ça, on en a pour l'année. Donc j'ai envie de progresser là-dessus, notamment. Je sais qu'il existe aussi des bâches à eau ou des systèmes. Il y a plein de. Mare, créer une mare, c'est moyen de stocker de l'eau et d'attirer la biodiversité. Bon, là, c'est toujours le truc qui fait deux choses, tu vois. Oui. T'as la mare, mais t'as aussi des libellules qui vont gérer ton potager. Enfin, gérer. Oui, c'est vrai. Tourner dans ton potager, quoi. Après, toujours pareil, on en revient à la question de place. Il faut avoir un peu de place à côté de son potager. Ça me fait aussi penser à la question des graines. Notamment dans cette vidéo sur l'eau, j'ai parlé de Monsieur Pott, Pascal Pott. Alors c'est pas lui qui l'a dit, c'est plutôt les médias qui en ont vraiment fait un buzz. On a lu et entendu le potager sans eau, jardiner sans eau. Et même moi, le premier, je me souviens, il y a quelques années, j'avais eu un potager associatif. Et l'eau était la dernière de mes réflexions, de mes préoccupations, parce que dans ma tête, j'y allais, moi je vais faire de la permaculture. Ouais. Et l'eau...
Non, non, ça, je vais mettre un petit paillage de foin de paille. Et donc, ce monsieur Pote acclimate apparemment ses graines. Ouais. Il fait plus un travail de semencier que de producteur de légumes. On a un besoin en eau qui est primaire, quoi, qui est primordial. Tu penses qu'on peut arriver à diminuer ce besoin? Moi, j'en suis convaincu. Ouais. Donc, pour moi, c'est ce qu'on appelle la sélection. Il faut beaucoup de tomates, je crois. Donc, prenons l'exemple de la tomate, à la base, c'est une plante d'Amérique du Sud, il n'y en a pas 50 000. Et on l'a ramené partout sur la planète et on a fait des variétés de tomates adaptées à chaque région. Il y a des tomates russes qui résistent, qui sont précoces, qui vont plus vite, qui résistent un peu mieux au froid que des tomates qui sont plutôt cultivées en Espagne, qui elles sont un peu plus adaptées à la sécheresse et au plein soleil. Donc déjà, ça fait des milliers, plusieurs générations que les anciens sélectionnaient les tomates, sélectionnaient les courges. Dans chaque région du monde, il y avait des courges, chaque région du monde, des tomates adaptées, chaque région du monde, tel ou tel légume adapté au terroir. Donc c'est un truc qui est, c'est pas un truc nouveau qui a été inventé récemment, c'est un truc ancien, c'est pour ça qu'on a une grande diversité de légumes. Donc déjà, il y a déjà ce travail-là qui existe et qui fonctionne, quoi. C'est-à-dire qu'on a réussi à adapter la tomate à plein de contextes différents. Après, la priver totalement d'eau, c'est autre chose. En fait, voilà, c'est que dans ma tête, si tu veux, tu peux acclimater, comme nous les humains, en fait, selon nos races, nos populations, selon qu'on vive en Afrique, qu'on vive au Groenland. Je prends des caricatures, mais ouais. On va être plus ou moins sensible au froid, au chaud. Mais un humain qui vit en Afrique aura autant de besoins en eau qu'un humain qui vit au Groenland. En fait, tu vois, dans ma tête, c'est comme ça. C'est où qu'on vive sur Terre. Ouais. Au bout de 3-4 jours, quelconque humain que l'on soit, on va crever si on n'a pas d'eau. Et je le vois un peu pareil pour les légumes. Alors, je comprends ce que tu dis, mais en fait, pour moi, il y a des variétés de tomates qui sont déjà résistantes à la sécheresse parce qu'un travail ancien a été fait. Et toi-même, tu peux, en les sélectionnant d'année en année, améliorer cette performance-là sur l'eau, quoi. Après, ça ne va pas être radicalement différent. Qu'est-ce que ça veut dire résistant à la sécheresse? Ça veut dire qu'elles elles ont moins de besoin en eau ou ça veut dire qu'elles vont mieux chercher l'eau? Elles ont plus de capacité à faire C'est multifactoriel en fait, il n'y a jamais qu'un seul facteur. Tu as des tomates, elles ont une croissance extérieure différente. Il y a des variétés qui sont à croissance indéterminée, qui grandiront tout le temps, des variétés déterminées. D'accord. Sous terre, il y a aussi une différence. Il y a aussi le feuillage qui est différent. Tu as des feuillages épais et larges et des petits feuillages pleureurs. Okay. Des variétés italiennes qui ont des feuillages très fins et qui est pleureur, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles se mettent à moins évaporer. Donc tu changes le système racinaire, tu changes le feuillage, tu changes tout un tas l'épaisseur de la feuille qui sera plus résistante. Ok. Non, en fait c'est peut-être, on va essayer d'être d'accord, c'est peut-être une meilleure capacité à optimiser la moindre goutte d'eau en fait. Ouais. Mais il faut de l'eau. Ah oui, il faut de l'eau. Ouais. On est d'accord. Non, c'est pour revenir à cette expression que je vois, je trouve hélas trop. Et j'ai revu encore un reportage, et vraiment le journaliste avait écrit un potager sans eau. Ouais. Peut-être qu'ils voulaient dire sans arrosage. Ce qui change tout. Déjà, ça change tout parce qu'il y a de l'eau. L'eau est dans le sol. Voilà, il y a de l'eau. Et en plus, du coup, il faut travailler aussi sur son sol pour qu'il garde lui-même de l'eau. Quoi. Là, le travail d'amélioration pour l'eau, pour le non-arrosage ou pour limiter les arrosages, à mon avis, il est beaucoup dans le sol et un peu dans les sommes. Enfin, c'est difficile à donner des pourcentages, mais c'est plus dans le sol que ça va se passer, ou dans l'ombrage, ou dans le coupage du vent, enfin, dans tout le biotope que tu vas créer, et aussi un peu dans la semence. D'accord. Ben, je me souviens le reportage à la ferme de Cagnol, Benoît, ça m'avait interpellé, il me rappelait que quand tu fais un paillage de matière organique, chaque centimètre, ça a une capacité de rétention de 25 litres, je crois, par mètre carré. Ouais. Ce qui veut dire que 10 centimètres, tu fais 250 litres, c'est ce qui est tombé dans le Var ces derniers jours. On peut supposer que si tous les sols étaient paillés comme ça, tu n'aurais pas d'inondation quasiment, quoi. Carrément, ce serait épongé. Ouais, et les forêts, enfin des arbres aussi, les arbres, ça c'est Claude Bourguignon qui en parle beaucoup, c'est qu'il y a des chênes chez nous qui font plus de 150 mètres de profondeur et quand il pleut, ils sont capables de recharger les nappes phréatiques. Là, il pleut, bon, ici dans la région, tout est bétonné, donc soit c'est bétonné, soit c'est labouré, du coup, le sol ne sont plus capables de prendre de l'eau, ça s'inonde, là on est en pleine période d'inondation, mais si on avait des sols mieux gérés et moins de béton, on aurait beaucoup moins d'inondations, quoi. Il y a des dizaines de milliers de variétés et je trouve qu'on a passé d'une vie. Et je me régale chaque année d'aller découvrir des variétés. Mais je sens quand même qu'il y a un besoin, qui est évident d'ailleurs, hein, d'être autonome sur les semences, de les récupérer chaque année. Ouais. Seulement, c'est un métier parce qu'il y a beaucoup d'hybridation. Des variétés qui se mélangent avec d'autres, on perd la variété de départ. Comment tu gères la chose? Je sais que toi, en plus, tu offres des contreparties. 90% de ce que je plante, c'est des semences que je fais moi-même. Il y a toujours 10% de nouveautés, parce que comme toi, ça m'intéresse un peu les nouveautés.
Mais ma priorité, c'est plutôt maintenir ma variété, la rendre de plus en plus efficace selon mon regard, ma technique, tout ça. Je pense qu'il faut commencer petit à petit, quoi. C'est-à-dire, faut pas se dire, je vais faire toutes mes semences. Sinon, tu te retrouves face à une montagne. Chaque famille botanique a des façons de se reproduire, des pollinisations croisées, pas croisées. Ben, c'est la folie, donc faut commencer petit. Et la tomate, c'est très bien pour commencer. Tout le monde fait des semences de tomates parce que c'est hyper simple. Et il y a peu, c'est possible, hein, c'est, oui. Mais il y a peu d'hybridations croisées, quoi. Généralement, la tomate, elle s'auto-féconde et tu restes sur la même lignée et t'es pas mal. Donc tu peux commencer par des tomates. C'est pas très compliqué de faire des laitues aussi. Tu vois, tu peux avoir dans ton jardin une belle laitue que tu laisses monter en graines. Faut surveiller un peu les laitues sauvages, les laitues du voisin. Mais généralement, les voisins, ils laissent pas forcément monter en graines. Et si tu prends l'exemple des courges, courgettes, concombres Alors là, déjà, faut regarder un peu ce que font les voisins. Parce que comme c'est les insectes, les abeilles, les bourdons qui viennent dans tes fleurs, ça peut venir d'un peu loin. Donc si ton voisin il fait de la courgette hybride F1, toi tu vas faire tes petites semences de courgettes, mais tu as potentiellement récupéré ce pollen hybride F1. Et du coup ça va dégénérer entre guillemets ta semence. Donc il faut regarder un petit peu ça. Mais sinon si toi tu n'as pas de voisin spécialement qui font des courgettes, tu peux très bien avoir une courgette, un potimarron, et t'es sûr qu'ils vont pas s'hybrider quoi. Tu peux avoir avec ça un melon et une pastèque, ça va pas s'hybrider non plus. Et si tu fais deux variétés de potiron, eh ben là potentiellement t'auras de l'hybridation. Et donc au contraire, si tu veux prélever tes semences, toi tu pars du principe de ne faire qu'une variété par sous-catégorie, voilà, quoi. Exactement. Je fais une cucurbita pepo, c'est les courgettes et machin, cucurbita maxima, une mochata. Et ça, je suis sûr qu'ils vont pas s'hybrider. Je fais un seul melon, une seule pastèque, un seul concombre. C'est triste quelque part. Oh, déjà, t'as pas mal de trucs là avec ça, non? Ouais, en fait, ça, c'est, je crois que c'est ma maladie à vouloir toujours des milliers de couleurs, de saveurs. Tu peux le faire. C'est-à-dire que cette année, tu dis, je fais les semences que des courgettes. Et j'ai 50 potiers marrons différents. Et l'année prochaine, je ferai un seul potimarron et j'aurai 50 courgettes différentes. C'est pas bête, ouais. Et comme ça, t'as ta folie de diversité, mais t'as aussi sur une espèce. Tu prélèves un et voilà. Tu peux garder tes graines en plus 5-6 ans. Tu les gardes 5-6 ans facile et tu peux partager. C'est génial aussi d'aller chez quelqu'un, lui dire tiens, c'est mes semences, c'est le gars le plante. Enfin, c'est aussi une façon de partager. Tu peux partager des légumes, mais partager des semences, c'est génial aussi. Alors j'ai un bac moi dans mon potager, j'ai un bac à compost, mais j'aime même pas trop l'appeler ainsi parce qu'en fait c'est plutôt un bac où j'entrepose toute ma matière organique, déchets de cuisine de la maison, les tontes, le broyat des haies, le fumier, je mélange comme une recette de cuisine, je raisonne à la fois en compost et à la fois aussi quand même j'amène du compost qu'on appelle de surface. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est très bien, déjà que tu récupères ta matière organique. Alors moi, je suis plutôt adepte du compostage de surface, c'est-à-dire que je vais plutôt me dire, le compost, plutôt que le déplacer deux fois, je composte de surface et ça règle mon problème. Sauf que j'en fais un petit peu du compost pour des cas particuliers, compost toilette sèche ou si j'ai besoin de faire du terreau. Souvent, ceux qui critiquent le compost, c'est qu'ils vont te dire, il n'y a plus rien à manger, quoi. Ça a été composté, tout a été bouffé, tu ramènes juste un substrat. Et tu ramènes pas tellement de nourriture, même si tu ramènes toujours. Et... Donc voilà, c'est ce que je le vois comme une fertilité physique en fait. J'ai l'impression que ce compost va alléger mon sol, va le rendre plus poreux. Ouais, mais quelque part, donc, c'est très bien, tu peux faire comme ça, si ça, toi ça te parle, c'est parfait. Mais quelque part, il y a une partie de carbone aussi que tu perds. J'ai vu une étude là qui montrait que quand on prend une branche par exemple, quand on la met, on la coupe, on la met à composter, après on la met sur le terrain, elle a gardé qu'une unité de carbone sur quatre. Et si on la met directement sur le terrain, enfin notre sol pourra récupérer qu'une unité de carbone sur quatre de la branche. Si cette branche, je la mets directement sur le sol, c'est un gars qui prônait le BRF. Hein. Benoît, c'est un Belge, Benoît, je ne sais plus comment. Enfin, d'accord. Et donc lui, il disait, voilà, si tu mets la branche directement sur ton sol, ben ton sol, il récupère deux unités de carbone sur quatre, donc deux fois plus. D'accord. Quelque part, vu que ton compost, il chauffe, tu as des pertes en fait. Bien sûr, ouais. C'est ce que dit Schreber, c'est que tu perds de l'énergie, c'est tu perds du carbone. Après, je vois ça aussi... D'avoir ce bac à récupération, je vois ça comme une recette de cuisine. Je trouve que tiens, j'y mets de la tonte, j'y mets du fumier, j'y mets de la paille, j'y mets mes déchets de cuisine et j'ai l'impression que un va équilibrer l'autre. C'est ton côté boulanger. C'est ça, le côté cuisinier. Et de mélanger tout ça et de ramener cet ensemble très... Je raisonne beaucoup en diversité aussi. Ouais. Et d'amener cet ensemble très diversifié au sol, j'y vois quelque chose de positif, voire d'énergétique, quoi. Je trouve que ça apporte une énergie au sol. Si toi tu le vois comme ça, c'est génial. Après, je pense qu'il y a une légère perte. Je pense qu'il y a une légère perte à faire comme ça. L'année dernière encore, j'ai fait beaucoup d'apports carbonés. J'ai eu la chance d'avoir un paysagiste qui m'a déposé des bennes de broyat. Mais j'ai tellement eu
peur en fait de créer une fin d'azote, hein, ouais, que j'ai utilisé carrément des engrais mais organiques, naturels. Alors je sais que le mot engrais souvent fait peur, mais il y a quand même une différence entre des engrais de synthèse chimiques, ouais, et des engrais qui sont eux naturels. Ouais. Et j'ai mis notamment du sang séché, de la poudre d'os, des guanos d'oiseaux. Ouais. Ça a l'avantage d'être concentré en azote. J'ai pas l'impression, je pense pas que tu aies une bonne vision de ces matières-là. Pour moi, j'essaye d'éviter de devoir aller en jardinerie acheter des trucs. Hein. Mm. Et en plus, quand tu penses à l'azote, tous les jours, tu urines des quantités d'azote folles. J'avais fait une vidéo chez un gars, Renaud Delouze, qui a fait un livre sur l'urine de leur liquide au jardin. C'est un truc... Je l'ai vu, oui. Tu as de l'azote directement utilisable dans tes matières carbonées et tu as réglé ton problème. Je t'avoue que depuis, je m'y suis mis à faire pipi dans le bidon. Ouais. Ça, au lieu de créer un déchet qui va encombrer les stations d'épuration, tout ça, tu crées de la fertilité dans ton jardin. Ça t'évite en plus d'aller en jardinerie acheter du autre. Ouais, je crois que ta vidéo montrait qu'un litre d'urine, je crois que c'est 5% d'azote. Ouais, j'ai oublié les chiffres, mais c'est énorme. C'est autant que sur une année, on pisse entre guillemets pour plus de 1000 euros d'engrais du commerce. Et bien, en tout cas, je crois travailler sur un projet donc Renaud Delouze pour dire que pour notre autonomie alimentaire, on produit suffisamment d'azote avec notre urine. Quoi. Donc, du coup, si simplement c'est un petit détail, et si on garde cette urine au lieu d'en faire un déchet, pas besoin d'aller acheter des... Je crois qu'il y a des pays, notamment en Afrique, en Asie, carrément, où il y a des collectes déjà. Carrément. Ils sont en train même de commercialiser. Quoi. Il y a des usines en Suisse et en Belgique, je crois qu'ils sont en train de commercialiser l'urine. L'urinor, je crois. Ouais, voilà. Tu as partagé tellement de choses, ce qui fait que tu es suivi, tu as un compte Tipeee de financement participatif. Avec quelques milliers d'euros tous les mois, pour lesquels tu offres des contreparties en graines. Ouais. Alors je sais que je l'avais fait un peu, un mois ou deux, mais j'avais de suite arrêté parce que ça demande un travail de dingue. Ouais, est-ce que tu peux en parler aux gens concrètement, quel travail tu as derrière tout ça? Est-ce que tu es tout seul? Je te remercie déjà de poser la question. Je vois que tu la poses avec bienveillance. Et c'est vrai que c'est un truc, j'avais prévu de faire ça en vidéo, de faire une vidéo explicative un petit peu. Mais ce qui m'a freiné en fait, c'est que certaines personnes qui m'ont ordonné de le faire, quoi, de exiger de moi ce que je me justifie par rapport à ça. Et du coup, ça m'a un peu freiné, m'a donné envie de pas le faire, tu vois. Il y a même eu des vidéos avec des chiffres complètement faux qui sont sortis. Ouais. Enfin, il y a plein de fantasmes, on va dire. Oui, j'ai vu, il gagne 7000 euros par mois. C'est ça, exactement. Donc, en fait, les gens dans sa poche. Certaines personnes pensent que je roule sur l'or, ce qui est carrément pas le cas du tout. En fait, en gros, une fois que Tipeee m'a donné de l'argent. Donc la somme est visible sur un Tipeee, quoi. On peut voir exactement combien j'aurai le mois suivant. En gros, quand Tipeee m'a donné Tipeee prend 8%. Tipeee me verse une somme d'argent. Après, ben, je suis déclaré, je ne peux pas avoir des sommes d'argent que l'on ne déclare pas. Donc après, il y a 25% qui partent à l'État. Après, grosso modo, j'ai calculé, j'envoie des centaines de colis de semences tous les mois. Donc en gros, j'ai 500 euros de frais, rien que pour les enveloppes, les boîtes, tout ça. Quoi. Et tu arrives à faire ça tout seul? En fait, on est deux à bosser. Donc après, la somme qui me reste, elle est encore divisée par deux. Et en gros, je gagne, quand une fois que tout a été enlevé, je gagne l'équivalent de 1200 euros par mois pour moi. Et pareil pour ma compagne, en fait, c'est un projet familial. Du coup, on gagne tous les deux 1200 euros à peu près par mois. Je comprends aussi les gens. Je pense qu'on est dans une période où c'est difficile en fait. Les gens, ils sont dans une difficulté, ils voient des sommes d'argent et ça augmente une colère. Quoi. Mais, après, il y a aussi du fantasme dans tout ça. Quoi. La semence, c'est un travail considérable. On a un petit peu parlé, mais faire cette semence, c'est un travail fou. Quoi. De dingue, ouais. Surtout que oui, tu as combien de 200, 300 contreparties régulièrement par mois? C'est ça, c'est régulièrement. C'est des centaines d'enveloppes qu'on envoie tous les mois. Et d'accord. C'est génial. Par contre, je suis hyper content de faire ça parce que... De semer des petites graines partout. Quoi. Ouais, je comprends très bien. On peut être fier de ça. Quoi. C'est génial, ouais. C'est génial. Et puis j'ai des retours fantastiques et je suis très très content. J'ai pas trop de doutes sur le fait qu'elle préserve la terre au mieux. Est-ce qu'il y a un espoir de la voir nourrir la planète dans un avenir proche, moyen, loin? Je sais pas si c'est le mot de permaculture, peut-être qu'il est amené à disparaître, parce que tu vois, comme il y a des interprétations, c'est comme l'écologie, à un moment donné, c'était mal vu d'être écolo parce qu'il y avait, c'était associé à de la politique. Enfin, donc le mot permaculture, pour moi, j'y accorde peu d'importance, mais je pense que l'idée d'être le plus efficace en prenant soin de la terre et des humains,
me paraît être une idée efficace et qui va prendre de l'ampleur. Quoi. Ouais. Peu importe qu'on l'appelle permaculture, bon sens ou agroécologie, m'en fiche. Quoi. Ok. Tu veux conclure la vidéo ? Je te laisse à ta façon. Qu'est-ce que je peux ça faire ? Me ferait plaisir quelque part. Que je fasse quoi, mais là, c'est mes intros qui sont salut salut, c'est ça ? Ouais, ouais, et puis ouais, t'es conclu aussi. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ça marche, Damien. Merci, ciao ciao. Ciao ciao.